Bonjour, soyez les bienvenus donc dans cette petite vidéo qui constitue une sorte de petit cours, hein, mais un cours sans jeu de mots, vraiment très très court. C'est simplement pour apprendre les bases qui vont vous permettre d'écrire votre premier scénario. C'est vraiment les bases, c'est vraiment fait pour ceux qui commencent, pour ceux qui n'ont jamais écrit avant, qui n'ont même pas été formés pour ça. Nous allons voir quelques principes, quelques règles de dramaturgie pour justement pouvoir dérouler toute une intrigue, toute une histoire qui pourra être écrite par vos soins. En partant de, voilà, on va partir de l'idée, on va partir du développement de l'idée, comment faire pour mettre de l'ordre dans ces idées, voilà, on va voir tout ça et je vais commenter ce PowerPoint, on va faire ça ensemble, je vais vous accompagner sur les différentes étapes. Donc voilà, commençons. Commençons, s'il veut bien démarrer, voilà. Voilà, donc c'est donc de l'écriture de scénario. Tout ce que nous allons voir est valable aussi bien pour le cinéma que pour le théâtre, parce que ce sont deux modes d'expression qui répondent aux mêmes règles. C'est-à-dire que le cinéma est un art temporel, d'accord, ça prend du temps, ça vous attire dans une histoire et ça vous fait oublier la notion du temps. Quand c'est bien écrit, que c'est bien ficelé, que vous êtes vraiment dans l'histoire, on voit pas le temps passer en général, mais c'est un mode d'expression temporel, tout comme le théâtre, c'est aussi un mode d'expression temporel. Voilà, ce n'est pas de la littérature comme peut l'être un bouquin, comme peut l'être par exemple la BD. Voilà, c'est de la littérature aussi. C'est vraiment de l'écriture, hein, vous voyez. Tandis qu'un scénario, c'est une étape de fabrication. C'est vraiment vous qui allez dès le départ jeter les bases de votre histoire et la charpente. On compare souvent le scénariste d'ailleurs à l'architecte d'une maison, voyez. Voilà, si le plan de départ est clair et cohérent et que tout tient debout, bah, il y a des chances pour que la construction après par la suite tienne debout et ne risque pas de s'effondrer. Voilà, vous avez cette responsabilité là en tant que scénariste de faire une histoire qui tienne debout. Et nous allons voir justement la structure qu'il faut concevoir pour que ça ait des chances de tenir debout et surtout de tenir le spectateur en haleine. Donc on va voir déjà plusieurs étapes. Alors, plusieurs étapes, effectivement. Donc il y a différentes étapes. On part d'abord de l'idée. Ensuite, il y a la création des personnages, la structure de l'histoire, elle est essentiellement constituée de trois actes, la construction ternaire des scènes, parce que tout comme pour la structure générale, qui est la structure générale de l'histoire, les trois actes, donc c'est une notion de début, milieu et fin, la construction ternaire des scènes, eh bien c'est la même chose, les scènes répondent aux mêmes règles, il y a trois parties, le début, le milieu et la fin. Et une fois que vous avez conçu, attendez, je vais vous aider avec à visualiser, voilà, avec le petit curseur ici, la structure de l'histoire. Une fois que vous avez imaginé la structure de l'histoire, vous pouvez, sans mal, venir au particulier, rentrer un peu plus dans les détails et concevoir vraiment la construction de chaque scène qui vont jalonner tout le long de l'histoire, tout le long du développement temporel de l'histoire et constituer les différents actes. Différents actes qui seront constitués de plusieurs scènes, évidemment. D'accord ? Et je vous parlerai aussi ensuite de la règle des trois unités. Là, il y a des choses aussi à savoir. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, on va parler maintenant de l'idée. On va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes les idées de départ sont bonnes. Il faut simplement les structurer avec rigueur à l'aide de quelques règles simples. Voilà.
Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, qui viennent me consulter, qui me disent, voilà, moi j'ai des idées pour un scénario, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, voilà, mais j'ai tellement d'idées que je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées et je n'arrive pas. Je me demande par où je dois commencer. Mais alors, pour les idées, il y a un petit truc que je peux vous donner pour les idées, c'est-à-dire que vous avez une abondance d'idées qui va un peu dans tous les sens. Et quand on regarde un peu, ça a l'air d'être un peu comme les pièces d'un puzzle qui sont en vrac étalées sur la table, vous voyez? Vous allez pouvoir mettre de l'ordre. Vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans ces idées et de garder les idées si vous avez une idée du message que vous voulez faire passer dans votre film. D'accord? Ça, c'est un truc qui va vous orienter tout le long du processus d'écriture. Parce que si vous savez ce que vous allez mettre de manière générale dans les trois actes de l'histoire, on y reviendra tout à l'heure, je pourrais vous montrer un schéma d'un schéma classique de narration. Eh bien, si vous savez dans quelle direction doit aller le message du film et le message que vous voulez faire passer, eh bien, ça va déjà vous aider à faire le tri de vos idées. Les idées que vous avez, qui vont dans toutes les directions, vous allez pouvoir sélectionner celles qui illustrent le thème, le sujet et le message du film. Tout ce qui est hors sujet, ben, vous pouvez l'écarter. Pas le supprimer définitivement, parce que ce sont des idées qui s'imbriquent mal dans le scénario que vous serez en train de décrire. Mais par contre, ce sont des idées qui pourront faire l'objet d'un développement d'une autre histoire, plus tard. Donc, toutes les idées sont bonnes à garder, il ne faut pas les jeter définitivement. Parce que voilà, pour l'instant, on peut pas, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est hors sujet, ça ne va pas dans le sens du message que vous voulez faire passer. Et en plus, ça permet de rebondir avec ces idées-là le jour où vous aurez un autre scénario, un deuxième scénario à écrire par la suite. Donc c'est toujours bon de garder les idées, ne pas les supprimer complètement, ne les envoyer pas à la corbeille tout de suite, même pas du tout d'ailleurs, ni tout de suite ni plus tard. C'est toujours bon de garder des notes, des idées qu'on a en soi. Parce que les idées, voilà, encore une fois, elles sont toutes bonnes, c'est simplement que bon, certaines sont exploitables et d'autres non. Ça dépend de la ligne de conduite. Alors, un autre truc aussi pour les idées. Alors, trouvez-vous un endroit, par exemple, calme. Asseyez-vous dans votre canapé. Moi, je suis beaucoup plus détendu quand je suis allongé, donc moi, j'aime bien m'allonger dans le canapé, dans une pièce calme. Ça veut dire sans télévision qui tourne, sans risque d'être dérangé par le téléphone, pas de radio, pas de musique, le silence total, vous voyez? Pas de réveil qui risque de sonner. Allongez-vous dans le canapé et fermez les yeux, respirez à fond et détendez-vous. Et écoutez le silence. Restez comme ça pendant plusieurs minutes. Vous allez vagabonder, vous allez penser à plusieurs choses, des choses qui vous préoccupent, des choses de la journée, de la vie de tous les jours, de votre quotidien. Et au bout d'un moment, votre esprit va commencer à vagabonder vraiment. Et une idée va amener une autre idée, etc. Et vous allez commencer à pouvoir noter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Vous voyez? Mais à ce stade-là, c'est de la libre pensée, on appelle ça aussi du brainstorming. C'est un terme qui est souvent utilisé en entrepreneuriat. Les chefs d'entreprise connaissent très bien ça parce qu'ils font souvent ça dans leurs réunions pour trouver de nouvelles idées, pour développer leur entreprise. C'est de la pensée libre. Et notez les idées qui vous viennent en vrac, même si ça vous paraît totalement fantasque. Et même à ce stade-là, ne les critiquez pas, vous les critiquerez plus tard. Notez simplement en vrac, voilà, un homme, une femme se rencontrent, et tout d'un coup, il y a un extraterrestre qui lui tape sur l'épaule et tout, et coucou, je suis là. Donc vous notez ça. Ça peut être un homme, une femme se rencontrent, ils tombent amoureux, et bon, ils vont au cinéma tous les deux, et puis pendant plusieurs jours, ils font connaissance, etc. Et leur relation
mûrissent, mais alors qu'ils sont tombés totalement amoureux, ils se rendent compte que l'un est espion envoyé par le gouvernement, etc. Vous pouvez inventer des trucs, je vous dis des choses en vrac comme ça, ça n'a ni queue ni tête, mais justement, on s'en fout de ça. À ce stade-là, vous notez toutes les idées qui vous viennent, et ça peut être du fantaisiste, du surréalisme, ça peut être un truc totalement déjanté, et pourquoi pas ? Libre à vous de vouloir écrire un scénario qui soit surréaliste, un scénario qui soit un univers totalement créé, mais je vous donnerai des petites astuces pour rester cohérent dans l'univers que vous créez, l'univers fictionnel que vous créez. Enfin bon, ça c'est un autre débat, ça c'est autre chose, on y reviendra. Donc toujours pour l'idée, notez tout ça. Et vous laissez reposer sur un coin de la table. Le lendemain, le surlendemain, voilà, vous vaquez à vos occupations habituelles et vous, voilà, vous faites autre chose, vous faites la vaisselle, vous faites ce que vous voulez, vous allez faire un tour, vous allez vous aérer dehors, à l'extérieur. Moi, quand je suis entre deux scènes, moi, j'aime bien souffler un petit peu et aller respirer un peu, marcher un petit peu loin de chez moi. J'habite pas loin de la campagne, donc ça me permet de m'aérer. Voilà, je m'aère et puis ça me permet de penser à autre chose. Je fais autre chose et tout. Et je me change les idées. Ensuite, quelques jours plus tard, revenez, reprenez cette liste que vous avez vue. Et là, vous pouvez passer en phase de critique. C'est-à-dire, vous commencez à dire, non, ça c'est trop loufoque ça. Trop ceci, trop cela. Maintenant, tout est intéressant à exploiter, hein. Mais dedans, regardez un petit peu le point de vue que vous adoptez dans l'idée, le point de vue que vous adoptez et quelle est l'idée qui a le plus d'originalité possible. Par exemple, celle qui est la plus prometteuse narrativement parlant, c'est-à-dire l'idée qui va générer qui a des perspectives vraiment de conflits et d'effets de surprise et de suspense et de rebondissement, etc. Donc vous allez commencer à supprimer quelques idées, il y en a quelques-unes qui vont rester et vous allez continuer le tri et jusqu'au moment où vous allez tomber sur une idée en particulier qui vous botte, qui vous excite, qui vous passionne et vous dit ça, voilà, ça c'est la direction que j'ai envie de donner au récit. Et c'est déjà à ce moment-là que vous allez déjà pouvoir le savoir. Et si, on va dire, le petit synopsis, le petit pitch, c'est un homme, une femme se rencontrent et il y a les extraterrestres à ce moment-là qui débarquent, alors que se passe-t-il ensuite? Et si vous décidez de vous plancher, enfin de plancher et de développer un scénario et de commencer à penser aux trois actes d'un récit, d'un scénario, pour en partant de cette idée-là, bon, libre à vous. Si vous voulez faire une œuvre totalement un peu loufoque, etc., ça peut être burlesque, un peu de la comédie, etc., très décalé, un peu comme on peut en trouver, par exemple, comme dans Men in Black. Voilà, c'est des choses comme ça qui pourraient être très drôles, très sympas. Et donc, libre à vous de suivre cette idée-là. Maintenant, ça peut être une autre idée, hein. Moi, c'est vraiment un titre d'exemple que je vous sors ça. Et moi, j'improvise avec vous. Là, je suis en train d'improviser. Et voilà, ça peut être un autre genre d'idée d'un autre style, hein. Voilà. Ça peut être un enfant, par exemple, vit une situation de séparation de ses parents, ben, comment vit-il, etc. Et ça aussi, c'est une idée qui peut avoir des perspectives de conflit très intéressantes, à la fois psychologiques, avec des obstacles extérieurs, etc. L'enfant peut avoir des problèmes à l'école, être suivi par un psy, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Maintenant, reste à savoir si on a envie de faire une œuvre qui a l'air un peu réaliste, ancrée dans la réalité, ou alors faire du fantastique. Ça, c'est possible aussi. Il n'y a de limite que votre imagination. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de limite, en gros. Il y a simplement votre esprit créatif qui fera tout le reste et qui décidera de quelle idée vous allez opter, finalement, pour vous lancer dans l'écriture du scénario. Donc voilà, donc ça c'est pour l'idée. Déjà en faisant ça, vous allez déjà pouvoir trouver une possibilité de faire le tri, de mettre de l'ordre dans vos idées et surtout de, voilà, par quoi je commence. Eh bien, une fois que vous avez réussi à isoler une idée qui est plus prometteuse que les autres, eh bien, je vous conseille de travailler sur cette idée-là. Parce que si c'est pour travailler pendant plusieurs semaines sur un scénario, sur une idée qui vous a semblé intéressante au début, mais qu'après votre intérêt pour l'histoire s'étiole et finalement ne vous botte plus tellement, il vaut mieux le savoir avant, évidemment.
voyez. Et ce petit travail de sélection d'idées, eh bien, ça vous permettra de voir si c'est une idée qui vous semble vraiment, passionnante et que vous pourrez passer les quelques semaines ou mois suivants sur l'écriture d'une idée comme ça, sans vous essouffler en cours de route, quoi. Voyez, il faut vraiment que ce soit une idée qui vous plaise, quoi. Donc voilà. Donc une fois que vous avez trouvé l'idée et que vous avez trouvé le message à faire passer dans votre film, eh bien, vous pouvez passer à l'étape suivante, tout simplement. Et l'étape suivante, c'est quoi ? Eh bien, c'est faire une structure de l'histoire. La structure de l'histoire, c'est donc aussi appelé la structure générale, c'est-à-dire on part de la grande échelle jusqu'à la petite échelle. Donc on va voir quelle scène on va mettre dans l'acte 1, dans l'acte 2 et dans l'acte 3. Donc la structure générale est toujours construite en trois actes, avec plusieurs nœuds dramatiques. Je reviendrai sur ce mot nœud dramatique dans quelques instants, mais je reviens aux actes. Les trois actes sont comme des casiers à remplir. Vous voyez, métaphoriquement, pour vous donner une image de comparaison, il y a plusieurs scènes qui constituent l'acte 1. Il y a plusieurs scènes qui constituent l'acte 2. Et il y a plusieurs scènes aussi qui constituent l'acte 3. Et donc, voilà. Et c'est en pensant de manière générale aux trois actes que vous allez pouvoir définir votre sujet, le thème de votre film, voyez, et notamment le message. L'amour est plus fort que tout, d'accord, même plus fort que la mort, d'accord. Donc c'est acte 1, les deux amoureux se rencontrent et tombent amoureux, boum, ils ont l'objectif de vivre ensemble et et tous leurs actes sont montrent, prouvent et illustrent l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils se sentent très attachés l'un à l'autre. Mais manque de bol, acte 3, déjà l'acte 2, l'acte 3, ils meurent tous les deux, mais sont réunis dans la mort. C'est par exemple la phrase directrice et le message qui passe dans la pièce, par exemple, de Shakespeare, Roméo et Juliette, par exemple. Vous voyez, l'amour plus fort que tout, plus fort que la mort, en tout cas. Voilà, tout ça est illustré. Et donc, cette seule phrase suffirait à vous guider pour écrire les scènes qui vont dans la direction du message que vous voulez faire passer. Voilà, en gros, c'est ça. Une fois que vous avez ça, que vous avez tous les éléments que vous avez envie de mettre dans les trois actes, eh bien, vous pourrez passer, alors à ce moment-là, à la création des scènes. Donc, vous voyez, on part du général au particulier. On rentre et plus on va travailler les scènes et plus on va rentrer dans les détails. Et là, on va pouvoir parler après par la suite de création de personnages, parce que la création de personnages, ça fait partie justement des détails à concevoir avant de se lancer sur la rédaction de la première ligne du scénario. Parce que moi, au tout début, quand j'ai écrit mon premier scénario, je me suis jeté très vite. J'avais une idée comme ça dans l'esprit, dans la tête, sur le thème de la voyance. Et je me suis jeté sur le développement directement tout de suite. Et je ne me suis jamais posé la question, tiens, je vais d'abord penser à la structure, aux trois actes, etc. Tout, non. C'était même avant de connaître même ces notions-là. Maintenant, je travaille d'une autre manière. Je n'écris pas une seule ligne de scénario avec, vous savez, le extérieur, jour, salon, machin et tout. Voilà, il se lève, il s'assied, etc. Je n'écris même pas ça tant que je n'ai pas pensé à la structure générale, les trois actes, et surtout au message que je veux faire passer dans le film. Parce que tant que je n'ai pas ce message-là, je peux écrire tout ce que je veux, je vais aller dans toutes les directions et rien ne sera structuré et rien ne sera organisé avec discipline, voyez. Donc le respect de ces règles-là, les règles que je vais développer avec vous ici, va vous aider énormément dans votre créativité et va vous rendre plus cohérent et plus efficace et vous perdrez moins de temps en respectant ces règles, croyez-moi. Je sais qu'il y a parfois des artistes qui se fichent des règles, qui transgressent les règles et tout, mais on sait ce que ça donne en fin de compte. Il y a des courts-métrages qui sont faits comme ça de manière expérimentale, et c'est vrai que c'est un terrain de jeu, le court-métrage, pour faire des essais, essayer différentes choses, mais on en revient toujours à la même chose. On a des frustrations quand un court-métrage se termine et qu'on a absolument
absolument rien compris de ce que le réalisateur ou même le scénariste voulait faire passer. Tout simplement parce que, voilà, c'est une autre façon de concevoir le cinéma. Et ceux qui font des courts-métrages comme ça, un peu expérimentaux, etc., ils le font comme... c'est une accumulation d'images bien faites, avec une belle lumière, un beau truc, mais il n'y a pas vraiment de récit derrière. Donc voilà, c'est un genre de court-métrage, voilà, qui... Il y a sûrement sa légitimité et tout ça, mais bon, moi je ne suis pas fou de ce genre de court-métrage, parce que justement, moi je trouve que le court-métrage, c'est le bon moment, et c'est un créneau très intéressant pour commencer à s'habituer à raconter des histoires avec la même discipline que pour les longs-métrages. D'ailleurs, ceux qui font des courts-métrages de cette manière-là, sans respecter les règles et tout, quand ils passent au format long-métrage, j'ai déjà eu des... J'ai déjà eu des échos comme ça de gens qui ont été vraiment coachés, conseillés par leur producteur en disant « Écoute, tu as fait un court-métrage comme ça, mais dans le domaine du long-métrage, il faut respecter les règles, la dramaturgie, etc. » Et bien souvent, ils se confrontent à une autre façon de faire du cinéma parce qu'ils ont pris l'habitude, le mauvais pli de ne pas respecter les règles dans les courts-métrages. Et tout d'un coup, c'est un choc, un changement énorme quand on s'attelle à un projet plus ambitieux comme le long métrage, où là, il faut un récit, il faut un scénario, il faut un truc derrière, parce que ça pardonne pas. Hein, un long métrage, ça dure en moyenne 1h30. Donc si on n'arrive pas à susciter l'intérêt du spectateur, bon ben il se lève et il sort de salle. Donc évidemment, le producteur n'est pas d'accord pour mettre de l'argent dans un film comme ça qui ne va pas intéresser le public. Hein, c'est normal. Donc ils sont obligés, au bout d'un moment, de passer par la discipline de la structure organisée, qui organise et qui hiérarchise les idées, les différentes idées en vrac que l'on peut avoir pour écrire un scénario. Donc pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire des scénarios pour des courts-métrages qui racontent vraiment des histoires, construits en trois actes, avec un incident déclencheur, on verra ce que c'est après, par la suite, avec des nœuds dramatiques, je reviens à ce terme-là, avec des nœuds dramatiques. Alors, les nœuds dramatiques, qu'est-ce que c'est ? Donc, je reviens à la petite parenthèse que je voulais faire avec les courts-métrages, c'est qu'il y aurait énormément, beaucoup à gagner en qualité, en créativité aussi, de s'imposer la discipline de faire des courts-métrages à récit, voilà. Avec voilà, des effets de surprise, de rebondissement, et pourquoi pas un peu d'humour aussi, ça peut être très sympa. Il y a beaucoup de courts-métrages comme ça que j'ai vus. Je connais un producteur qui, voilà, qui a son ASBL et qui produit des courts-métrages. J'ai vu de superbes chez lui, dans son catalogue, il a des courts-métrages, c'est vraiment des pépites, c'est des petits bijoux. Et ils sont structurés justement en trois actes, avec histoire, avec toute une narration, avec des choses qui se passent véritablement, avec des personnages caractérisés, etc. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse pour ce qui concerne les règles. Voilà, le respect des règles, ça peut amener énormément de choses très profitables, et ça vous permettra d'y gagner en efficacité et en termes de temps aussi. Efficacité en temps, mais aussi en qualité d'histoire. Donc je reviens ici aux nœuds dramatiques. Alors, les nœuds dramatiques, qu'est-ce que c'est ? Alors, la plupart du temps, c'est les obstacles que va rencontrer le personnage pour la concrétisation de son projet, enfin le fait qu'il va atteindre son objectif ou pas. Vous voyez ? Mais il y a d'autres choses aussi, hein. Les nœuds dramatiques les plus évidents, parce qu'ils sont structurellement impliqués dans la structure générale des trois actes, c'est l'incident déclencheur et le climax sont aussi des nœuds dramatiques. Voilà. Donc vous voyez, on va voir un petit peu ce qu'est un incident déclencheur et le climax, qu'est-ce que c'est aussi. Je vous montrerai des schémas qui illustrent ça. Voilà. Donc le nœud dramatique, en gros, c'est le personnage veut faire un truc, il a des obstacles, d'accord ? Ça peut être, il veut passer chez le voisin, tout ça, pour aller cueillir des prunes chez son voisin. Je vous dis n'importe quoi, hein, j'invente complètement. Mais voilà, manque de vol, il doit escalader le mur qui est entre les deux. Et il est rempli de ronces, etc. Enfin voilà, obstacle, est-ce qu'il va réussir à
atteindre son objectif, à aller cueillir des prunes dans le jardin de son voisin ou pas. Ça, voilà, ça dépend de ce que vous voulez donner comme réponse dramatique dans votre histoire. Voilà. Donc voilà un exemple de nœud dramatique. Voilà. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. C'est la création des personnages. À partir du moment où vous avez la structure générale, vous avez vos trois actes et tout ça en tête, vous avez votre message, le message de votre film, eh bien vous pouvez créer votre personnage. Donc il faut déterminer le protagoniste. C'est souvent le héros principal, hein, le héros principal ou le personnage principal, appelez-le comme vous voulez, mais c'est le protagoniste. C'est lui qui, clairement, c'est par lui que vous allez passer pour raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, il veut faire ceci, cela, et donc il va le faire, mais rendre compte des obstacles, et pour contourner les obstacles, il va avoir recours à telle ou telle méthode, etc. Voilà, c'est vraiment, l'histoire est centrée sur lui. C'est vraiment le protagoniste que vous mettez en avant. D'accord ? Donc le protagoniste est toujours lié à... Attendez, je suis le schéma ici. L'objectif, son objectif, il va rencontrer des obstacles, ce qui va lui créer du conflit. C'est là qu'il va, il va être amené à s'interroger sur ses motivations. Est-ce que ses motivations à atteindre son objectif sont assez fortes ? Ses motivations sont assez fortes que pour... trouver l'énergie nécessaire en lui pour surmonter les obstacles, pour atteindre son objectif. D'accord ? Et la manière dont il va le faire, ça peut être un élément très important pour avoir des informations sur sa caractérisation. Ça va caractériser le personnage. S'il fait preuve d'astuce, d'espièglerie, de malice, de facilité à raconter des bobards parce que bon, ça sert sa tentative à se rapprocher de son objectif, eh bien, ça peut être un élément qui est caractérisant. Ça va donner une idée de ce que le personnage est. D'accord ? Et le meilleur moyen de caractériser un personnage, c'est-à-dire paresseux, débordant d'énergie, courageux, etc., etc., et j'en passe les qualificatifs, eh bien, ce sont ses actes. Ce sont les actions qu'il va poser, qui vont nous donner une idée sur à la fois ses motivations, vraiment, et sur ce qu'il est. Les dialogues vont servir aussi un petit peu à le caractériser. Par exemple, s'il a des tics de langage, des répliques qui montrent que soit il est poli, il tourne bien ses phrases, il s'exprime facilement, ou alors est-ce qu'il bégaye, voilà, un bégaiement, ça peut être un élément caractérisant aussi, parce qu'on se dit, tiens, voilà, il a un handicap ici, là, il a du mal à s'exprimer, ou alors il est tellement paniqué que ça peut être un bégaiement provisoire, hein, c'est pas un bégaiement qui dure surtout tout le long du récit, par exemple, ça peut être plein de choses comme ça, mais de toute façon, la chose la plus flagrante, la plus signifiante, c'est-à-dire qui donne du sens vraiment, qui fait que on a vraiment une idée de ce que le personnage est, ce sont vraiment ses actes. D'ailleurs, un réalisateur, en ayant un scénario entre les mains, s'il a la possibilité de remplacer une ligne de dialogue, de texte, par de l'image, ou de l'action, un acte, un regard, une poignée de main, enfin je sais pas, ça peut être n'importe quoi, s'il peut le remplacer par quelque chose de visuel, eh bien il remplace le dialogue, la ligne de dialogue par quelque chose qui soit visuel. Voilà, pour des films comme ça un peu réalistes, films policiers, des films à suspense, des films assez sérieux, c'est mieux de passer par les actions, voilà, tout ce qui est visuel, plutôt que de se reposer sur les dialogues. Les dialogues, il y aura plus de dialogues, par exemple, dans une comédie, par exemple. Ce sera un peu plus bavard. On peut jouer avec les expressions, les idées, des mots d'auteur, comme ça. Audiard, par exemple, était très, très doué pour ça dans ses dialogues. Il y a aussi un autre réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Bertrand Blier. Il y a des pépites chez Bertrand Blier au niveau des répliques, des dialogues. Voilà. Et dans ces dialogues-là, il peut avoir des petites réflexions un peu idiotes.
C'est le genre de caractéristiques qu'on trouve dans les comédies. Donc à chaque genre de film, il y a des codes de genre. On peut mettre du dialogue, on peut y aller allègrement, même si là, les dialogues doivent être épurés et apporter vraiment quelque chose par rapport au personnage, même dans les comédies. Mais en tout cas, les dialogues peuvent être très drôles. La drôlerie peut se trouver dans les répliques, le sens de la répartie, des choses comme ça. D'accord ? Mais dans les films plus sérieux, à suspense, policiers, fantastiques, horreur, etc., c'est plutôt dans l'action qu'on va chercher soit le décalage ou alors l'horreur tout simplement, et tous les actes que le personnage peut faire qui donnent de la caractérisation au personnage. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et quand on a affaire à une comédie, par exemple, qui soit une comédie fantastique, j'en ai écrit une récemment, eh bien, on a la drôlerie dans les dialogues, dans le texte, mais aussi la drôlerie dans les actions. Voilà. Côté décalé, un peu déjanté, un peu fou, mais qui donne vraiment du punch à l'histoire, qui donne du dynamisme et des moments très drôles et très, très appréciables. Donc ça, voilà, ça c'est pour la caractérisation. Donc voilà, création de personnage, vous avez pensé à vos trois actes, vous avez pensé au message du film, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer des personnages qui ont des caractéristiques qui vont vous aider énormément à servir votre sujet et aussi le message de votre film. Voilà. Alors on va voir un petit exemple de protagoniste. Voilà, pour vous donner une idée. Hein. C'est le héros principal, comme je vous disais. Hein. C'est le personnage principal qui est lié à son objectif. Voilà, illustration. Dans Indiana Jones et le Temple Maudit, eh bien, Indiana Jones a l'objectif d'aller retrouver des pierres sacrées qui ont été volées dans un petit village. D'accord ? Si vous regardez bien le film, il arrive à atteindre cet objectif-là. Récupérer les pierres sacrées assez rapidement dans le film. Mais là, il se trouve, si dans l'histoire Indiana Jones avait pris les pierres et était parti rendre les pierres au village, bah le film s'arrêtait là. C'était fini. Parce qu'il avait il a atteint son objectif. D'accord ? Mais sur place, alors qu'il entend des cris d'enfants qui sont oppressés, qui sont en esclavage, fouettés, torturés par des bourreaux qui les obligent à travailler dans les mines, eh bien, il se trouve un nouvel objectif, carrément. C'est-à-dire, non seulement de partir et rendre les pierres sacrées au village, mais en plus de ça, de prendre les gosses avec. Et là, nouvel objectif, et toute cette partie-là qui vient après cette scène-là, eh bien, est consacrée à l'objectif de repartir avec les enfants. Et c'est pas une mince affaire parce que ça va couvrir la deuxième partie du film. Donc c'est pas un objectif. En tout cas, c'est un objectif sûrement plus difficile à atteindre que de récupérer des pierres sacrées. Et c'est vraiment l'objectif du film finalement pour finir. Donc voilà. Et après, bon, ben voilà, on connaît la suite, hein, il rentre au petit village, il ramène les pierres sacrées, mais en plus de ça, il ramène les enfants, donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà, personnage principal et objectif. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple. Il y en aura d'autres après par la suite. Alors, exemple de structure. Voilà, exemple de structure. Alors, là, il y a deux schémas. Premier cas, c'est le cas le plus simple, le plus simple et le plus classique, puisqu'il s'agit d'un schéma, de construction, et appelé un schéma classique. Donc c'est tout à fait classique. Le premier acte, ben voilà, c'est la vie du quotidien, la vie de tous les jours du personnage, et voilà, et j'avance, hein, c'est une ligne du temps ici, puisque encore une fois le cinéma c'est une œuvre temporelle, d'accord, comme une chanson. Par exemple, une chanson dure en moyenne 3 minutes, si pas plus. Voilà, il y a différentes parties à respecter. Donc le premier acte ici, le quotidien du personnage, boum, tout d'un coup, incident déclencheur, il se passe quelque chose qui provoque, qui bouleverse son univers et crée un déséquilibre.
c'est qu'il va lui donner un objectif, boum, ça, l'objectif qu'il atteindra ici à la fin du deuxième acte, d'accord ? Et donc il va vivre des obstacles, des conflits, etc., qu'il va devoir surmonter pour atteindre son objectif et pour retrouver un certain équilibre. Ça peut être simplement retrouver un certain équilibre. Ça peut être aller chercher des pierres sacrées pour Indiana Jones, par exemple, vous voyez ? Et voilà. Et après, il se trouve un autre objectif. Là, c'est un autre cas. Là. Et donc, je reviens ici. Il a son objectif. Il vit des obstacles. Et pour bien faire, comme vous voyez que le deuxième acte, c'est la partie la plus longue du récit. C'est-à-dire que le premier acte, dans une histoire, l'incident déclencheur peut arriver au bout de 15 minutes. Vous voyez ? Ça dépend. Il y a des cas où l'incident déclencheur peut venir un peu plus tôt. Il peut intervenir un peu plus tôt. Ça dépend si tous les éléments exposés pour comprendre dans quel environnement le personnage évolue, de telle manière à permettre au spectateur de réagir par rapport à l'incident déclencheur, eh bien, est suffisante ou pas. Si c'est un incident déclencheur pour en pouvoir anticiper les conséquences de cet incident déclencheur, si le fait d'exposer, faire de l'exposition comme ça pendant 15 minutes et voir dans quel milieu il vit pour mieux appréhender les conséquences de l'incident déclencheur, eh bien, si ça suffit, eh bien, il peut venir beaucoup plus tôt. L'incident déclencheur peut venir encore plus tôt. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, je vais vous donner un exemple. Hein. Le mieux, c'est de donner un exemple. Par exemple, dans Rocky, le premier Rocky, par exemple, l'incident déclencheur vient assez tard. Plus tard que ça encore. Assez tard. Je crois que c'est au bout de 20 minutes, si pas plus. Et toute la partie avant l'incident déclencheur, en fait, dans Rocky, l'incident déclencheur, c'est quoi ? C'est à partir du moment où il apprend par l'organisateur des matchs de boxe, etc., que Apollo Creed l'a choisi comme partenaire pour faire un match de boxe très médiatisé. D'accord ? Donc l'incident déclencheur, voilà, c'est quelqu'un qui choisit Rocky pour aller au titre. Voilà, on peut dire que c'est la chance de sa vie, quoi. Sauf que juste avant, on a montré tout le quotidien de Rocky. Et il y a la petite romance là avec Adrienne, hein, avec sa femme. Il essaie de la séduire, il essaie de rentrer en contact avec elle. Bon voilà, il se passe plein de trucs. On le voit en train de s'entraîner dans une salle de sport abominable, voilà, de quartier, un quartier un peu malfamé comme ça. Et voilà, et on voit que bon, bah, c'est pas le héros comme ça qui est sûr de lui et qui casse la baraque, quoi. Donc quand on arrive à l'incident déclencheur dans Rocky, on se dit, lui, il va faire un match comme ça, aussi important, cette petite frappe et tout, ce gars qui a jamais pensé à, enfin, qui a pas beaucoup d'ambition, hein, finalement, et qui n'a jamais envisagé le fait d'aller au titre. Il fait de la boxe simplement parce que ça lui permet de gagner des petits cachets de temps en temps comme ça, en faisant des petits matchs comme ça de quartier et tout, mais il n'a jamais pensé à aller au titre à ce point-là, quoi. Donc je vous assure que arriver à l'incident déclencheur dans Rocky, si vous voulez regarder le film à nouveau pour être vraiment dans le processus de narration, et vous allez voir que on ressent quelque chose du genre, il va aller au casse-pipe, il va se faire massacrer par Apollo Creed. Hein. Donc c'est perspective de conflit, perspective de, voilà,
on lui prête à ce moment-là un objectif, c'est de tenir la distance, comme il le dit lui-même, tenir la distance et de rester digne dans ce match et pouvoir faire quelques rounds face à Apollo Creed, quoi, parce qu'il n'a pas du tout l'objectif d'être le meilleur ou de même gagner le match, quoi. Et finalement, le spectateur se dit, est-ce qu'il va atteindre son objectif? Est-ce qu'il va au moins gagner le match ou pas? En tout cas, il est mal barré pour ça. Voyons voir maintenant ce qui va se passer. Voilà dans quel état d'esprit on est à ce moment-là. Voyons la suite. Donc, on rentre dans l'acte 2 et on voit toutes les étapes où il marque des points pour s'entraîner, etc. Il fait des prières, enfin, on le voit douter de lui à un moment donné. Avant le match, il va marcher dans la salle qui est vide et il commence à se dire, voilà, est-ce que je vais être capable de tenir la distance, etc. Enfin, voilà, c'est pas le héros qui s'amène, je vais casser la figure à l'autre et ça, tout va bien se passer. Non, pas du tout. C'est le gars qui ressemble un peu à tout le monde, quoi. C'est ça qui est extraordinaire dans ce film. C'est qu'il ressemble un petit peu à tout le monde. Et on se dit, waouh, est-ce qu'il va réussir? Mais c'est pas gagné d'avance, quoi. Et d'ailleurs, quand on arrive au climax, là, le climax est ici, c'est le point culminant de l'histoire. Les obstacles, en général, à ce moment-là, et même l'émotion provoquée, générée par le personnage qui se bat pour atteindre son objectif, il y croit, il est motivé, etc., ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion à condition que de la part du spectateur, il y a identification avec le personnage. D'accord ? Il y a une sorte d'idée un peu comme ça, qui est pas. Vous pouvez vous en inspirer pour commencer, pour faire vos armes et tout ça, mais je sais que c'est pas totalement vrai. C'est que plus le personnage est sympathique, et plus on a tendance à s'identifier à lui et à se réjouir de ses succès, des points qu'il marque, des progrès qu'il fait pour atteindre son objectif, et aussi se désespérer quand il rate quelque chose, quoi. Donc on est vraiment totalement avec lui. Sauf que moi j'ai déjà vu des films où le personnage est un méchant, hein, un fou dangereux, et on est totalement avec lui aussi. Donc vous voyez, voilà. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le personnage doit être sympathique, et en même temps, il y a d'autres personnages qui, comme Dr. House par exemple, antipathique, il fait des réflexions terribles, mais il en fait tellement et de manière parfois, il dit tout haut ce qu'on pense tout bas dans certains épisodes que finalement on le trouve. Si pas sympathique, mais en tout cas fascinant déjà. Donc on peut dire que Dr. House a fasciné pas mal de spectateurs de par sa verve, sa façon de parler et ses expressions. Donc arrivé ici, là c'est le climax, c'est le point le plus haut de l'histoire. Voilà, au-dessus de ça, soit le personnage atteint son objectif ou il l'atteint pas. Donc voilà, quand on a conscience de l'objectif que le personnage a, c'est la question dramatique qui est posée. Et la question reçoit une réponse ici, à ce stade-là, au bout de plusieurs minutes, hein, dans le cadre d'un long métrage. Hein, si on dit qu'en moyenne tout ça fait 1h30, il suffit de faire le calcul. Et le climax ici, c'est le maximum d'intensité. Donc là, c'est la réponse dramatique qu'on a, soit c'est positif ou négatif, et après, donc là, on passe au troisième acte. Et le troisième acte, en général, c'est quelque chose, c'est quelques scènes, voire même une scène, ça se résume à une image. C'est à cet endroit-là, pour purger un peu le spectateur de toutes ces émotions qu'il a ressenties pendant toute l'histoire avec le personnage, c'est une zone où il ne se passe rien d'important. Et il vaut mieux d'ailleurs, parce que ça lui permet de pouvoir se remettre de ses émotions, quand ça a été vraiment très intense, et de pouvoir commencer à sortir de la salle avec dignité, et sans se prendre les pieds partout, parce qu'il est encore sous le choc.
voyez. Donc il n'y a rien de pire que de mettre le générique de fin là tout de suite ici là, mais il faut mettre simplement une image. C'est souvent à cet endroit là qu'on met un effet de grue, par exemple faire monter la caméra où on voit les personnages principaux marcher à l'horizon, ils s'éloignent de la caméra, et donc c'est faire sentir au spectateur que on arrive à la fin et qu'après bon bah c'est le générique de fin. Donc voilà, c'est pour faire une transition entre le moment où on va passer du générique de fin, on passe de l'histoire à ouais, c'est vraiment pour conclure le récit et faire le pont entre le deuxième acte et carrément le générique de fin là qui défile carrément. Voilà. Et là ben voilà, là vous êtes arrivé au bout. Donc je vais résumer un petit peu le truc pour le deuxième schéma. Là, le deuxième schéma ici, c'est un schéma qui est plus complexe, qui ressemble au schéma classique, mais la seule différence, c'est que ici, c'est dans le cas d'un troisième acte qui est plus long. Alors, dans quel genre de récit, dans quel cas, un troisième acte plus long est justifiable? Eh bien, c'est quand le personnage atteint son objectif, d'accord, ou ne l'atteint pas, mais en même temps, on ne peut pas en rester là. Il y a des choses qui ont été amorcées dans le deuxième acte, ici, qui doivent trouver une réponse, une conclusion claire dans la suite du récit. Donc, c'est un troisième acte qui a son propre incident déclencheur, vous voyez ? Son propre incident déclencheur, ça relance une action, qui peut être une action différente de l'action du deuxième acte, mais pour l'atteindre et conclure, et en tout cas, voilà, tous les conflits à ce stade-là, tous les conflits amorcés dans le récit doivent avoir trouvé une réponse, oui, non, non, oui, voilà, ça peut être n'importe laquelle, pour faire en sorte que, voilà, que le spectateur ne quitte pas le film en se disant « Oui, mais finalement, ok, il a atteint son objectif, mais les rôles secondaires, par exemple, là, oui, mais le conflit, là, il n'est pas résolu. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ça, on ne sait pas, on n'a pas la réponse et tout. » Eh bien, c'est une réponse qui peut être mise dans le troisième acte, dans le cas d'un troisième acte assez long. Ceci dit, ne vous amusez pas trop quand vous commencez. Même moi, je ne me risque pas. Voilà, donc maîtriser déjà le schéma classique, ça va déjà vous occuper une bonne partie de votre vie, quoi, hein. D'ailleurs, le schéma classique, c'est le schéma que suivent les scénaristes la plupart du temps pour tous les films qui existent. Il y a encore un autre genre de schéma où on s'amuse vraiment avec la structure, c'est la structure en flashback, par exemple, vous voyez. Donc il y a incident déclencheur, il y a objectif, et pendant le deuxième acte, on fait parfois des flashbacks, des retours en arrière, et on revient au présent, retour en arrière, et parfois il y a même des films qui vont encore plus loin, c'est un retour, pas retour en avant, mais une anticipation, un flash forward, comme ils appellent ça en anglais. Donc flashback, c'est flashback, ok, retour en arrière, et flash forward, c'est une anticipation. C'est tout à fait le contraire du flashback. Mais alors, je ne vous cache pas que de jouer comme ça avec la structure, moi j'ai déjà fait ça pour justement mon scénario sur la voyance. Pendant longtemps, je suis resté avec l'idée de structure en flashback parce que ça se mariait assez bien avec le thème. Puisque c'est la voyance, hein. La voyance c'est l'anticipation. C'est l'anticipation, c'est voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc c'était l'occasion de faire une structure en flashback et tout. Et justement dans la voyance, il y avait justement le voyant à un moment donné qui faisait un résumé de ce que le personnage principal avait vécu. Donc toute la partie avant le film, qui n'est pas racontée par le film, mais qui vient sous forme de flashback. Et comme je voulais que ça reste visuel, ben j'ai fait des flashbacks. Et il m'a fallu longtemps m'épuiser pendant plusieurs versions. C'est pour ça que je ne travaillerai plus de cette manière-là, hein. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites, hein. Tout le monde a fait des erreurs, hein. C'est normal. Et c'est de ne pas penser au message, à la structure générale, tout ce que je vous ai expliqué là maintenant, avant de commencer à écrire. Avant de commencer à écrire, il faut vraiment penser au schéma qu'on va utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le premier acte? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le deuxième acte? Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le troisième acte?
Vous avez vu que dans le troisième acte, c'est assez facile, hein, c'est assez rapide. Mais en tout cas, s'il est important de savoir de quoi on va parler, il est encore plus important, assez vite, de savoir comment votre histoire va se terminer. Est-ce que le personnage atteint son objectif ou pas? Quand vous avez trouvé la solution, quand vous avez trouvé la réponse, et que vous êtes mis d'accord avec vous-même, vous allez pouvoir en amont, comme ça, faire remonter, de telle manière à ce que toutes les scènes convergent vers ce point-là. Voyez ? Et ça, c'est un bon moyen pour éviter les scènes gratuites, qui ont l'air un peu hors sujet, qui entravent un peu la progression narrative vers ce point-là qui est le climax et qui est très important. Car toutes les scènes doivent converger vers ce point-là. Voilà. Et encore une fois, ça va vous occuper... pendant plusieurs œuvres, pendant plusieurs courts-métrages, vous allez pouvoir passer du temps à maîtriser ce schéma-là. Alors après, par la suite, comme Hitchcock a fait dans plusieurs films, et notamment Psychose, il s'est amusé au niveau du scénario, au niveau de la structure du scénario, de déstructurer les choses, mais de rendre tout ça cohérent, mais avec succès en plus, parce que Psychose, il y aurait un maximum de choses à dire sur Psychose. Moi, je ne veux pas m'attarder dessus quand même, parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, quoi. Donc, à partir du moment où vous maîtrisez les règles, vous pouvez vous amuser avec. Vous pouvez être créatif et essayer de proposer des choses nouvelles. On revient en arrière, on repart en avant, etc. Mais bon, dans un premier temps, faites-vous vraiment la main et les outils avec ce schéma-là. Après, vous pourrez peut-être envisager un troisième acte un peu plus long. Mais vous savez que si vous n'avez pas pu résoudre tout au deuxième acte, vous savez que là, c'est le bon moment pour soit refaire une version et essayer de répondre et arranger tous les conflits avant la fin de l'histoire, parce que c'est quand même ça l'important, et voir si vraiment c'est nécessaire de faire un troisième acte un peu plus long que d'ordinaire. Donc voilà. Donc voilà, je vous dis, mais moi je serais trop pour un premier scénario, vous conseiller celui-là plutôt. Voilà. Et ça, franchement, déjà pouvoir maîtriser ça et faire une progression, monter en crescendo au niveau obstacle et émotion jusqu'à ce point-là. Déjà maîtriser ça, c'est déjà tout un art et c'est déjà tout un savoir-faire. Vous aurez déjà appris pas mal de choses en arrivant à faire ça, quoi. Maintenant, plus tôt vous commencez, plus jeune vous êtes et plus vite vous intégrez comme ça ces règles, ces principes qui sont fondamentaux et auxquels on ne peut pas déroger. Hein. Tous ceux qui ont déjà essayé dans le domaine des films se sont ramassés une gamelle, se sont pris des pelles et tout, enfin tout ce que vous voulez. Parce qu'ils se sont confrontés à « oui, mais j'ai pas compris ce que tu disais dans ton film, machin, bazar et tout ». Donc ils reviennent frustrés et fatigués parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été compris, alors qu'il suffit simplement, pour être bien compris, d'utiliser les codes du pas de genre, mais les règles fondamentales qui font d'un récit un bon récit, bien structuré. Et déjà, si vous structurez déjà votre idée, vous allez voir que vous allez déjà avoir une autre qualité de scénario et une autre qualité de film. Voilà. Donc là, je vais passer donc à l'étape suivante. Je crois que j'ai assez développé cette partie-là. Alors, les obstacles. Voilà. Les obstacles poussent le personnage à réagir pour surmonter les obstacles, d'accord, ce qui crée du conflit, et ça donne des informations importantes sur la motivation. On cerne beaucoup mieux la motivation que le personnage a à atteindre son objectif. Alors on va voir quelques exemples de films, d'analyses de films. Nikita, ancienne droguée entraînée à tuer par le gouvernement, aspire à une vie normale. Obstacle, elle doit tuer pour le gouvernement sous un autre nom de code. Surmonter l'obstacle, elle surmonte l'obstacle en travaillant pour le gouvernement tout en vivant sa vie de couple, en laissant son petit ami dans l'ignorance. Mais on sent qu'elle ne pourra pas jouer ce petit jeu longtemps. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez ? Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, dans le tatoué, voilà, Monsieur Mézeray, Louis de Funès,
à l'objectif d'acheter une œuvre de Modigliani tatouée sur la peau du dos d'un ancien légionnaire, Jean Gabin. Obstacle, le caractère bourru du légionnaire et le fait qu'il soit en dehors du système de la notion de commerce, ce qui va le pousser à passer par tous les caprices du légionnaire pour obtenir ce qu'il veut. Si vous vous souvenez du film, c'est vrai que ça donne... Enfin, il va très loin dans les caprices du légionnaire, ce qui donne quelques scènes assez amusantes de gags et de sketchs et de voilà, c'est une comédie sympathique. Alors la suite, voilà E.T. Ça, vous connaissez tous ce film. Donc protagoniste, voilà E.T. a l'objectif de rentrer chez lui. Obstacle, il est seul face à l'hostilité de l'humanité, il manque de moyens de communication. De plus, il est recherché par des scientifiques. Voilà, donc ça, voilà. D'un côté, le protagoniste, E.T., et de l'autre côté, son objectif, rentrer chez lui, et les obstacles. Donc voilà, je crois qu'il y a encore un autre exemple, je crois. Ah non, ça va. Alors là, maintenant, on va aller au particulier, là. La construction des scènes. Voilà. Comme pour la structure générale, la structure dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les trois actes, avec incident déclencheur, etc., eh bien, les scènes peuvent être structurées de la même manière, avec la même discipline, c'est-à-dire début, milieu et fin. Premier acte, deuxième acte, troisième acte. On peut dire que ce sont des sous-actes, parce que ce sont... voilà. C'est aussi une scène dans laquelle il va se passer des choses et créer du conflit, etc. Et ça peut même constituer des futurs obstacles pour plus tard dans l'histoire. Donc, comme pour la structure générale, les scènes, début, milieu et fin. Donc ça se fait comme ça en respectant les trois unités, unité de temps, unité d'action et unité de lieu. Voilà. Donc voilà, unité de temps, une histoire peut se passer en une journée, par exemple, ou alors en une semaine. L'autre unité, c'est unité d'action, c'est-à-dire tout ce que fait le personnage dans le film, c'est pour servir le même objectif, hein, c'est pas pour servir autre chose. Par contre, pour atteindre son objectif général de l'histoire, il peut avoir recours à des sous-objectifs, c'est-à-dire si son objectif c'est par exemple, relions ça à l'objectif de notre blog, c'est-à-dire réussir dans le cinéma. Bon, réussir dans le cinéma, le sous-objectif, ça serait de réussir à faire son premier scénario. Encore un autre sous-objectif, trouver un producteur, etc. Et ce qui est, ça relie, ça va dans le sens de la concrétisation de l'objectif général, c'est de faire un film, par exemple. Vous voyez ? Donc, voilà, toutes les scènes qui sont montrées doivent illustrer une action unique qui va dans le sens de l'objectif. Voilà. Ça ne peut pas être en dehors, ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas... voilà. Donc, les trois unités, il y a aussi l'unité de lieu. Je connais des films, notamment il y en a quelques-uns dans les films belges, par exemple, où le lieu, c'est juste un pas de porte, un ascenseur, et puis on est sur le palier d'un appartement, par exemple, dans le hall d'entrée. Donc, voilà. Et tout le film se passe là, par exemple. Donc il y a des histoires comme ça. Pour l'unité de temps, si vous regardez par exemple Un jour sans fin, eh bien ce film-là, toute l'histoire se passe dans la même journée. Après, le gars il se réveille et c'est toujours le matin de la même journée, il revit les mêmes situations, les mêmes trucs, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement c'est pour lui donner la possibilité de se sortir meilleur, d'être meilleur que ce qu'il était au début de l'histoire. Parce qu'à partir du moment où il redevient meilleur, qu'il est plus serviable, rendre service aux autres, etc., eh bien, de nouveau, le temps reprend son cours et tout d'un coup, il se réveille et il se réveille le lendemain. Donc là, on arrive à... Voilà, on se dit que là, on arrive à la fin de l'histoire. Mais ça, c'est, voilà, unité de temps. Alors donc unité d'action, je l'ai dit, puis unité de lieu. Voilà, vous pouvez choisir un huis clos. Un exemple de huis clos, par exemple, c'est Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock. Voilà,
tout se passe à l'intérieur, dans le même bâtiment, et ça n'empêche pas que l'histoire peut être très haletante, avec un suspense superbe. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plat, que c'est inintéressant, hein, que du contraire. Donc voilà, donc ce sont trois unités dont on peut tenir compte et dont on doit tenir compte d'ailleurs. Voilà. Alors, quelques suggestions de livres, de bouquins. Alors, écrire son scénario, manuel pratique, Maryse Léon Garcia, Franck Ao, écrire un scénario pour le cinéma, Michel Chion, écrire un scénario, l'écriture de scénario de Jean-Marie Roth, voilà, et alors le livre de Yves Lavandier, ici, La dramaturgie. Celui-là, je l'ai lu sous la recommandation justement d'un scénariste professionnel. C'est au tout début, quand je galérais pour écrire mon premier scénario, eh bien, il m'a conseillé ça et il m'a dit, lis ce livre-là, c'est la Bible des scénaristes. Et c'est vrai que c'est aussi épais qu'une Bible, c'est un jeu de mots à part. C'est vraiment épais, il y a 611 pages. Et là, il y a toutes les règles dont je vous ai parlé, les règles de d'unité, etc., unité de temps, de lieu, d'action, la caractérisation, le schéma classique d'une histoire avec incident déclencheur, crescendo, obstacle et climax et troisième acte. Tout ça est expliqué dedans et même davantage, il rentre vraiment dans les détails. Et là, c'est une analyse de la dramaturgie, de ce qu'est la dramaturgie et comment raconter des histoires. La personne qui lit ce bouquin et qui digère toutes ces règles-là, moi je le lis encore régulièrement ce livre-là parce que voilà, ça me permet de m'enfoncer dans le crâne certains principes et c'est bien parfois de relire des choses qu'on avait peut-être un peu survolées dès la première lecture. Donc je lis toujours un petit chapitre avant de m'endormir le soir, voilà, ça c'est une chose. Et celui qui maîtrise ces règles-là, il peut raconter ce qu'il veut. Vous voyez, il peut très bien écrire un scénario pour un film, et il peut très bien écrire une pièce de théâtre. Je veux dire, voilà, le travail est le même, quoi, vous voyez. Et après avoir lu ce livre-là, vous avez vraiment les outils pour... pour raconter un peu ce que vous voulez, quoi. Et vous pouvez vous inspirer de pas mal de choses. Il y a des méthodes aussi qui sont expliquées dedans. C'est vraiment très bien fait. Et pour la petite histoire, en fait, après avoir lu ce livre-là, moi j'ai vu le film Oui mais, qui est réalisé justement et écrit par Yves Lavandier. Et quand vous regardez le film, vous vous rendez compte que voilà, c'est une comédie pétillante, fraîche et tout, mais humaine avant tout. Et toutes les règles, naturellement, de dramaturgie ici. Il a été un script doctor aussi, je crois, Yves Lavandier. Il a réussi à rendre distrayant son film tout en... Moi, j'ai appris pas mal de choses en regardant le film, en allant voir le film. Sur l'aspect psychologique et notamment la psychanalyse, toute la première partie du film où on voit, j'ai oublié de dire que c'était un film avec Gérard Jugnot et Émilie Dequesne, et pendant toute la première partie du film, le début du film, il explique un peu son métier de psychologue, etc. Et on apprend des trucs, et que justement l'expression « oui mais ceci, oui mais cela », eh bien... À quel jeu psychologique ça se réfère. Donc c'est vraiment, voilà, c'est intéressant, ça prouve bien que le cinéma peut être un bon outil de divertissement, mais aussi d'apprentissage. Il y a des choses qu'on peut apprendre et transmettre aux gens par le biais d'un film. Ça, c'est un truc très intéressant qu'il faut pouvoir ne pas perdre de vue. S'il y a des choses que vous pouvez communiquer aux gens, à travers vos films, vous apportez de la valeur supplémentaire au film. Donc c'est pas uniquement une bonne blague, un scénario avec de l'humour, des gags, etc. Mais si en plus derrière il y a quelques scènes où on apprend des trucs et qu'on ressort de là où on a l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas. C'est le cas de Oui mais, moi j'ai appris des trucs, ça m'a beaucoup éclairé, et on se rend compte que toute la partie du film qui suit, eh bien c'est l'illustration de ces principes psychologiques racontés par Gérard Jugnot. Donc ça c'est super, on apprend des choses et puis on,
Et on en voit la démonstration dans le film. Donc voilà. Et justement, on parlait, vous parlez de votre message. Si vous avez trouvé, si on peut dire que votre message, c'est votre guide pour écrire votre film, eh bien, par exemple, si je reprends le message de Roméo et Juliette, l'amour plus fort que la mort, eh bien, si c'est ça le message, eh bien, on peut dire que le film ou la pièce qui en résulte est l'illustration de ce message, de ce point de vue. Donc, si vous avez un point de vue sur des choses, vous pouvez défendre vos convictions. Et vous pouvez vous dire, voilà, je vais faire de ce film l'illustration de mon point de vue, de mon avis que j'ai sur ce sujet-là, sur le sujet que vous développez. Et donc là c'est aussi quelque chose qui peut vous guider dans l'écriture, le fait de penser comme ça. Voilà, donc ça, je vais terminer là pour la dramaturgie, là, pour le livre. Alors, les autres, j'ai lu celui-là aussi, très très bien. C'est vraiment un guide pratique qui va vous aider à écrire à présenter votre scénario de manière formelle et comment le montrer. Ce sera aussi l'occasion d'une vidéo supplémentaire avec quelques exemples de mes scénarios. Là, ce serait très bien. Voilà, Jean-Marie Raoult, d'écriture scénario, celui-là, je connais cet auteur-là. Je crois que j'ai lu le bouquin, mais il était présenté d'une autre manière. Ça devait être une autre édition. Alors les deux autres ici, je ne les ai pas lus, je ne les connais pas, mais ils sont sûrement très 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 bien dans leur genre aussi. Voilà, donc. Voilà, après avoir lu les règles de dramaturgie, après avoir écrit votre premier scénario, voilà, mettez-moi un petit commentaire sur le blog, hein, ça me ferait plaisir de voir d'assister au progrès que vous ferez. Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'écriture, mettez-moi un commentaire, posez-moi des questions si vous en avez sur le blog, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, donc vous aurez fait votre premier scénario, et j'espère que vous pourrez passer à la réalisation de ce scénario. Si vous êtes en plus d'être le scénariste, vous en serez éventuellement le réalisateur. Ah ben, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors à ce moment-là, vous arriverez à tourner un film, à faire un film qui vous amènera inévitablement au générique de fin. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, donc générique de fin. Et comme c'est le cas en Belgique, je ne sais pas chez vous, mais en Belgique, en tout cas, c'est comme ça. Il y a souvent cette petite phrase, là, c'est un petit clin d'œil que je fais, c'est avec le soutien de la communauté française, hein, de Belgique. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je fais, parce que voilà, c'est le genre de phrase qu'on trouve souvent à la fin des films dans les génériques. Voilà, donc voilà, ça c'était les bases vraiment pour écrire un premier scénario. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, allez-y, mettez-moi des commentaires sur le blog, je vous répondrai. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est assez condensé et puis c'est assez résumé. J'ai beaucoup développé en parlant avec et tout pour compléter les illustrations. Mais voilà, c'est vraiment les bases, c'est l'ABC pour écrire un scénario. Voilà, donc je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à partager cette vidéo naturellement. Et si vous avez des questions, encore une fois, je suis là pour y répondre. Donc n'oubliez pas, réussirdanslecinéma.com, c'est réussissons tous ensemble, d'accord. Voilà, je partagerai avec vous mon expérience, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que j'apprends de nouveau, eh bien, je le partagerai aussi avec vous parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours du nouveau, de toute façon, on évolue toujours. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les nombreuses interviews qu'il y a sur mon blog, parce que dans les interviews, il y a souvent des questions bien ciblées que je pose aux interviewés, et ils peuvent vous éclairer sur certains points par le biais justement de ces vidéos. Donc allez-y, il y a des informations vraiment à prendre. Donc je vous dis à bientôt, et merci de m'avoir écouté. Au revoir.